à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine et Hugo. Et aujourd'hui, on va s'écouter le premier extrait de l'album collaboratif Paris-Marseille. C'est parti. C'est parti pour un tour. Alors, en vrai, on avait dit bon, c'est bon, Jules, stop. Ouais, mais on a dit beaucoup de choses. Force est de constater que l'idée. J'avoue, je suis curieux. Je suis curieux en fait, putain. De mettre. Voilà, de faire une compilation Paris-Marseille. Ok. C'est lourd. Et c'est gros ce qu'il fait. On va pas sentir un mec qui va appeler plein de grosses têtes. Enfin, bon. Déjà, quand c'était resté à Marseille, c'était déjà. C'est lourd, l'idée est lourde. La chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son poids dans le game. L'œuvre. Il œuvre pour l'art. Il faut dire la vérité. Bon, après, dans la musique, c'est différent, mais dans les. Dans ses démarches, on ne peut saluer. On peut rien dire. Et du coup, moi, ça m'intéresse parce que bon, nous, on est parisiens, on a envie que les meilleurs couplets soient des rappeurs de Paris. Ouais. Et moi, j'ai dit que j'allais à chaque fois que j'allais écouter un des morceaux, j'allais voilà faire une sorte de score. Voilà, qui a gagné? Est-ce que c'est plutôt Paris? Est-ce que c'est plutôt Marseille? Et du coup, là, il y a le premier morceau. Je crois que c'est titre éponyme, classico. Ah ouais, t'es sûr? Non, je crois pas. Alors l'album il va s'appeler Classico Organisé. Et le morceau s'appelle La Loi de la Cahier. Attends, le titre. La Cahier, la Let's rue. Go, vraiment on balance tout. Et du coup il y a qui sur le morceau? Alors là sur le morceau, alors attends juste je vais cliquer. Hop. On a Lacrim, Alonso, Mister You, Jules, Niro, Koffs, le Raluciano et Daouzi. Oh putain, mais ça va être un long fleuve. 5 minutes 45. Les commentaires sont désactivés. C'est bon. Voilà. Ça va tacler. Du coup, bon classico pour. Oui, bah pour Paris-Marseille. Footballistique. Bon. Qu'est-ce que t'attends? Attends, mais moi j'attends rien du tout, frère. D'accord. Je veux dire la vérité, j'attends rien du tout. Moi je veux juste. juste entendre des flots. Entendre des artistes qui m'intéressent. J'ai pas l'impression qu'il y ait des artistes qui vont m'intéresser là-dessus. Enfin. Sur le morceau là? Ouais, moi j'attendais un Freeze, un Alpha, tu vois. Peut-être que ça va être sur. Les mecs chauds de Paname. Bon, tu penses là sur le casting qui va avoir le meilleur couplet? Genre, vas-y avec. Moi, là, à vue d'œil, bah le rat. Ok. Ah oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Le rat et après. Niro, tiens. Niro, je le sens chaud. Ouais, bon. C'est parti pour l'écoute de La Loi de la Cahier, La Loi de la Rue, extrait du classico organisé. T'as les titres droits. Let's fucking go! Mais ça, j'ai que la musique, c'est comme la drogue. Tout ça, ça dure 15 ans à chaque contrat. Je la prends 3 millions, fils d'âme, j'ai pas 20 ans. Ça fait le dormi sur les bancs pour prendre mon tien. Avant d'être un capot, j'ai grave tout le temps. J'ai une pétance sur moi, j'ai le pétage. Ta meuf qui va te baiser, oh c'est ton rêve qui va te carotte. J'ai vu des choses, du haut de mes 15 ans, j'en paraissais 40. Oh con, la mort est certaine. Dios mio, amore mio. Les microbes ont pris un toxique, musique à muerte. Viens pas de Rio, j'ai toujours pas de vis. Car tu n'auras risque, c'est le mili. Personne se réconcilie, que ça t'humilie. Non, je suis un ancien comme les points morts. Pour ça que j'ai nagé dans les marécages. Tu vois les King Kong, ping ping. Si tu frappes comme un Hong Kong, on t'a ging ging. J'en fais de la frise, y'a pas de fixe. On met de la riche, ça n'aime plus trop les autres là. Contact au Brésil, mec, chez nous t'inquiète, c'est précis. Si on a trois personnes t'apprécies, c'est ça. Car les petites codes de but, le gros dans le business, faut plus des gros marchés. Mes poursuites, les rafales, le bon shit, c'est l'autre. A 200 avec l'essence sur le péril. J'crois que le game comme rara. Comprends pourquoi j'me fais rara. Tu mets la weed au volant, je disais que j'allais tout niquer, écrire rara. Tenez où y'avait des rares, tu chies dans le bloc, des sous dans les couilles. Un blanc pas, cousin. Dans ta couille, pas de papa, un pète cette année là où s'envolaient des fortes fiestas. La rue sous paro, tu peux caler si tu fais de l'avant. Sur la moto avec capot, tu es blanc quand on déboule à deux. La soirée, je suis j'ai croisé ma ganache dans tous les quartiers de Marseille à Brana. On a respecté la jalousie comme Yenda. Je veux pas que le rap nous bousille, une escarre et Kassim. On a tous le même discours. Poste de la rime sous vodka, homme, je suis sous. On a montant le métal, le montant le sens. Faut poser les calages, faut stopper les calages. Il faut la guerre, je vous attends, venez, tu vas t'appeler. Besoin du pépé, Paris pour Médienne. Je suis en compte des péris, la fonction compte pour Médienne. 6h30, la police t'appelle plus présent. Je ramène le fric à la maison. Dealer le sang, c'est la rue plus la prison. Des frères qui sont la cala ou le musique. Le mini ou le fusil, elle t'aime ou la musique.
VIP est en stage. Je suis ici, je suis là-bas, je suis partout, même si je suis quelque part. Au milieu du peuple, comme la pico, j'ai remis la perte copa. Je suis un roi de la pico, un mère. Tout pour la femme à Illy, la retraite, c'est pour cher pico, sans tropico. À l'horizon, tour en parole, la loi de la cahier. Cœur mitraillé, mais pour ravitailler. Et si tu nous vois enfouraillé, il faudra pitailler. Maman, jamais au-dessus du macadam. Dans la tête, c'est le maracana. Pas physique dans la banane, un peu dans les bacanas. Ah, des kilomètres de bon char, les sorts parfumés maintenant, on les retourne les poulets. Soir, grâce à la cellule, je peux pas. Rien, en fait. C'est ça, c'est 9-3, donne-moi du temps et des lances. Si, 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 ce que tu dis pour pas, oui, on s'envole pas, on n'avance pas. Je suis gentil, souriant, mais je peux trop plaire. J'ai la mini, j'écoute pas trop leurs conseils. C'est pas tout le monde, c'est mon sang, j'attends la sortie de mon zozo. À 200 avec l'essence sur le périph', c'est nous. Rafale dans ton corps, ça brise pas le genou. Gros, c'est quoi déjà le morceau mec, c'était un hit dans les années 2000. Nanana, c'est nous. Nanana, c'est nous. Central, ici, Gomez et Tavares. Ah oui. Voilà, Gomez et Tavares. La bigra, c'est nous. Les groupes, c'est nous. Les poulets, c'est nous. C'est vous. C'était classique, classique. Ça, de ouf. Putain, le morceau, bonne surprise. Mais qui est lourd. Ouais, oui, c'est oui, je valide. Franchement, les flots voilà. Sont lourds. Il y a pas réellement de choses qui font tâche. Bon, il y a juste le passage où Julie déraille un peu sur son flow parce que il veut faire du busta ou je sais pas ce qui lui arrive du twista. Genre le mec il s'est pris pour le fest de Chicago, mais bon, son refrain est lourd. Après il a le sens des mélodies de toute manière, Jules, ça on peut le dire, il a le sens des mélodies, c'est grave efficace. Et mec, que ça soit l'entrée du morceau, la fin du morceau, je trouve que ça a été vraiment bien plié. La crime, il lâche un putain de couplet. Derrière, on a Alonso, lourd. Trop chaud, Alonso. Mister You, qui dénote des autres avec son flow vraiment. Mi 2000. Ouais, c'est ça, mi 2000, 2006-2007, totalement. Genre en fait, le mec sur le beat. Mais tu sens qu'il freestyle. Ouais, ouais, ouais. Et en vrai, c'est le quand c'est son style. C'est ça, quand t'entends Mister You rapper, mais tu vois le mec en cabine freestyler, mais en fait. Ou sur un planète rap. Mais j'ai eu un flashback d'il y a 17-18 ans, tu vois. Mm. C'est ça qui est beau sur ce genre de morceaux, parce que c'est intergénérationnel. Donc il y a des anciens comme des nouveaux, le rat, Mister You, et t'as des Daouzi. Qui sont un peu plus. Qui sont un peu plus récents, même Kops, tu vois, qui est un peu plus nouveau. Donc. C'est cool parce que il y a toujours un petit parfum quand t'entends un ancien rappeur qui dit ah putain ça kickait à l'époque. Surtout quand les mecs savent encore rapper. Ouais, et puis même ils ont l'art du kickage. Ça, tu vois, Mister Lee c'est un mec qui s'est kické, on l'entend en direct. Pareil, en vrai, la crime, bon, il s'est un petit peu embourgeoisé, mais au début, frère, ça kickait ça. Hein. Bah ouais. Et là, il rentre archi bien dans le son. De ouf. Alonso, pareil, Alonso, gros, putain, son couplet m'a fait vraiment penser à l'époque de Psychiatre de la Rime, tu vois, quand ça kickait sale. Avec Vincenzo et Sopra. En tout cas, vraiment, vraiment lourd, j'avoue. J'ai bien aimé la prod. Assez poussiéreuse, mais bon. On va mais pas demander veut, de la modernité. Temps, hein. Moi, je suis comme... pas là pour la modernité. Mais en vrai, est-ce que moi, ça m'a mis dans une ambiance en vrai. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, tu sais, c'est un peu nocturne, Marseille. Ouais. Tu sentais plus le style marseillais quand même qui dégageait du morceau, plus que le style parisien. Ouais. Mais ça me dérangeait pas, tu vois. Mais tu vois, le style poussiéreux, je trouve que c'est cohérent avec le fait que t'amènes aussi des rappeurs old school, tu ouais, vois. Ouais, bah oui, non mais clairement. C'est... Non, et même, les nouveaux, ils ont, plus, bon, ils ont pu se mettre en mode, vas-y, moi je vais kicker aussi, tu vois. Genre Daouzi, même si ça kick, on sait. Mais là, c'est vraiment, y a pas d'artifice. Même, je trouve que ça... La rage qu'il a habituellement, elle était canalisée. Ouais, elle était canalisée, ça partait moins en couille. De ouf, donc mec, à voir les prochains Kops, extraits. Kops, j'ai vraiment un souci avec le voile qu'il a sur sa voix. Hein. Bah après, ça c'est... Ouais, ouais, il peut rien. Mais, faire, mais, soit putain, mais en fait, ça fait vraiment... je sais pas, ça fait pas lisse, quoi. Ouais. Bah, c'est après, normal. Je pense que c'est soit tu kiffes, soit t'aimes pas, en fait. Mais par contre, c'est un putain d'acteur. Hein. Oui. Je l'ai vu jouer dans Chouf, là. Bah oui, il est lourd, le film. Il est lourd, il est grave pour le film. Putain, j'ai pas vu le ton passer, en plus, quand j'ai regardé ça. Il est super bien. Très lourd. Bah moi je suis curieux de voir les prochains mecs qu'il va ramener. En vrai les prochains ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans les références ça se donnait des références entre chaque artiste. Et tu sens que ils s'écoutent. Tu vois que les mecs comme Koffs, Daouzi, ils ont dû écouter du Mister You, du rap. Enfin c'est cool d'entendre ça sur un morceau issu d'un projet qui se veut collaboratif et fédérateur, tu vois. C'est le propos. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de ce morceau.
la loi de la cahier, ce que vous attendez évidemment de Classico organisé, ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, de vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont Amélie Hugo 1 sur Twitter, Amélie Hugo sur Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous. Peace.